clear and standardized data that honeybees kept by humans are facing severe losses. We have taken so much away from them. We have taken their habitat, we've poisoned their food, and we still want their honey. To reduce honeybees to honey was very detrimental. Ce qu'on voit, c'est régulièrement des générations qui succèdent les unes derrière les autres de pesticides qui, à chaque fois qu'elles sont considérées comme trop dangereuses, on leur dit « Ah, mais ça y est, on a trouvé une nouvelle molécule qui va résoudre les problèmes de l'ancienne et qui va être encore mieux. » Et c'est le même discours qu'on nous tient depuis 60 ans. Donc il faut se rendre à l'évidence que on a des produits qui sont faits pour tuer, donc ces produits tuent, ils font leur boulot. Ce sont les apiculteurs eux-mêmes qui sont les plus gros pollueurs des ruches. Si on fait une étude de quelles molécules pesticides on trouve dans la cire des ruches, et bien on s'aperçoit que 70% ce sont des molécules qui sont introduites par les apiculteurs pour lutter contre le varroa. Le miel est un produit extrêmement efficace et parfait, on va dire, pour la santé, mais à condition qu'il n'y ait pas eu de nourrissement au sucre donné par l'apiculteur, qu'il n'y ait pas eu de pesticides ajoutés dans la ruche ou à l'extérieur de la ruche, ce qui est malheureusement le cas souvent. Ça fait longtemps qu'on nous fait croire qu'il n'y aurait qu'un type d'apiculture possible, c'est-à-dire l'apiculture avec des grandes ruches à cadre pour produire du miel et du pollen et de la géroyale et de la propolis. C'est faux, c'est un de ces dogmes parmi beaucoup d'autres sur lesquels s'est construite l'apiculture intensive. Mais voilà, il y a d'autres types d'apiculture possibles. There's no problem with diseases or varroa mites. We don't need to treat them because they're happy and strong and they're healthy bees just because we let them be healthy by themselves. By studying the bees in the wild, we can see what we're doing to the bees because we can see what we're undoing, what parts of their natural biology we're undoing as in a beekeeping situation. The bees show us how they interact with the nature, what is there in nature, and they also show us what and where is it wrong in nature. Or in landscapes. The bees should not suffer for our ignorance, but they do. On a tous la même philosophie, c'est-à-dire sauver l'abeille, mais la sauvegarder également. Ma philosophie a toujours été, moins je dérange l'abeille, moins je la stresse. Là, on est dans un ruger qui est très ancien. Alors, il est typiquement cévenol déjà par son accès. On va avoir un petit chemin dans la montagne, là, au milieu des pierres, pour y accéder. Par les ruches, qui sont des ruches troncs, qui sont typiques des Cévennes. Et elles sont très anciennes, certaines passent les 200 ans. Une des solutions, bien sûr, à la portée de tous les jardiniers, réside dans les plantations d'arbres mellifères. Pour réaliser une symbiose avec les cultures, on a choisi des arbres mellifères de telle sorte qu'on puisse avoir de la nourriture variée pour les abeilles toute l'année. When you mix bees and trees, a certain magic happens. La connexion est créée entre elle et moi. On est en harmonie, on ne se pose pas de questions, on va voir les abeilles. Les abeilles, certes, elles piquent quand on a envie qu'elles nous piquent. Ça va faire rire beaucoup de monde, je sais, mais c'est malheureusement un peu vrai. It's always important, whatever you do, to have very strong bees. That's the most important thing, to give your bees all the conditions to remain very strong as a colony. Comment est-ce qu'on fait pour redonner de la vigueur à l'abeille et lui redonner son statut d'insecte libre? Le métier d'apiculteur, c'est pas un métier de production alimentaire, c'est un métier de laboratoire pharmaceutique, le meilleur. Donc faut laisser les abeilles faire leur travail dans un environnement sain. On veut que l'abeille reste gratuite pour tout le monde, c'est vraiment important. Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, et moi je voudrais qu'ils puissent voir une ruche, puissent voir des abeilles butiner des fleurs avec les abeilles sauvages, mélangées, et que mes enfants puissent le découvrir, c'est ça que je veux. Il faut que l'homme réapprenne à comprendre pourquoi l'abeille est auprès de nous et ce qu'elle est capable d'apporter. Mais déjà, avant le miel, tout ce qu'elle fait dans l'environnement est un cadeau extraordinaire pour l'être humain. Because we all know, if we lose honeybees, we may lose our own life. And I would love it if more people in the world had the possibility of just being with the bees. Tu peux me dire ce que tu es en train de fabriquer? Alors, je suis en train de fabriquer une ruche en paille, une ruche en vannerie,
avec de la paille de seigle et de la ronce pour faire le lien. L'intérêt de cette ruche, c'est plus une ruche destinée au confort des abeilles, c'est plus une ruche de biodiversité pour le confort des abeilles qu'une ruche de production. Pour autant, si on veut une petite production, on peut toujours voilà, mettre une petite réhausse et récolter 1 ou 2 ou 3 kilos de miel par an, mais pas plus. L'idée, c'est vraiment de solliciter le moins possible les abeilles pour qu'elles soient en meilleure santé possible et en capacité à s'adapter à toutes les difficultés qu'elles rencontrent aujourd'hui. On entend de plus en plus parler de la concurrence donc, entre les abeilles domestiques, la Apis mellifera, ouais. Et les abeilles sauvages solitaires, ouais. Concurrence pour le nectar, les fleurs et tout ça. Est-ce que tu as un avis là-dessus peut-être ? Ah oui, j'ai plein d'avis là-dessus. Alors, déjà, on ne peut absolument pas dire ça de façon générale. Ce sont des cas particuliers. Bien évidemment, si on emmène beaucoup de ruches dans un milieu où il y a peu de nourriture, bien évidemment, il y aura un phénomène de concurrence et ça peut être au détriment effectivement des abeilles sauvages solitaires puisque nos abeilles domestiques, très souvent, elles sont nourries quand on a des problèmes de famine. Donc on est capable de créer la famine et après de corriger en donnant du sucre aux abeilles, ce qui n'est pas du tout bon pour elles, mais voilà, on le fait. Dans ce cas-là, effectivement, s'il y a une grosse pénurie de plantes mellifères dans un milieu donné, mais en particulier en ville, hein, parce que les problèmes se posent particulièrement en ville, mais ça peut être le cas aussi dans les zones de grande culture, on peut bien évidemment avoir des phénomènes de concurrence. Pour autant, c'est pas les abeilles, moi je n'incrimine pas les abeilles, nos abeilles domestiques, entre guillemets, nos abeilles mellifères, d'être responsables de cette concurrence, c'est vraiment les exactions de l'homme qui font qu'on appauvrit le milieu, on appauvrit l'écosystème, et la conséquence, c'est que ces espèces sont en concurrence, alors qu'elles ne devraient absolument pas l'être, et qu'elles ne l'ont jamais été jusqu'à présent. D'une part, parce que les abeilles solitaires vont butiner des fleurs différentes de celles que butinent les abeilles domestiques, les adaptations des langues, des systèmes de captation du nectar est très différent chez les unes et chez les autres, donc elles ont des spécialités, etc. etc. Il y a plein de petits paramètres qui font que normalement les abeilles sont faites pour cohabiter ensemble. Et mieux que cela, des études anglaises ont prouvé exactement l'inverse. C'est-à-dire des études anglaises ont démontré que plus il y avait d'abeilles mellifères dans un milieu, plus il y avait d'abeilles solitaires. Pourquoi ? Parce que s'il y a des fleurs, les abeilles mellifères pollinisent ces fleurs et donc entretiennent un potentiel de biodiversité végétale beaucoup plus important que si elles n'étaient pas là. Donc elles peuvent aussi avoir un impact bénéfique sur les abeilles solitaires. Donc c'est des problématiques qu'il faut vraiment étudier au cas par cas. Et il y a des cas de figure où effectivement il faut éliminer sans doute un certain nombre de colonies de ruches d'abeilles, surtout en production, hein, parce qu'elles ont des besoins bien plus énormes qu'une ruche de biodiversité. On pourrait en parler longuement, mais il faut vraiment regarder sur le cas par cas. Sur le cas par cas, quoi. Moi, je n'accuserai pas les abeilles mellifères d'être responsables de la disparition des abeilles solitaires. C'est juste aberrant comme raisonnement. Pour moi, c'est un raisonnement pervers qui peut justifier et se prouver scientifiquement sur certaines zones très localisées, mais ça ne va pas au-delà. Ok. Donc si on met une ruche de biodiversité dans son jardin, on ne va pas nuire à nos abeilles sauvages qu'on aime tant. Bien sûr que non, bien sûr que non. Déjà parce qu'une ruche de biodiversité, sa durée d'activité, c'est quelques mois dans l'année, c'est pas 12 mois par an. Ça va être en décalage par rapport aux autres abeilles, elles ne vont pas butiner les mêmes fleurs comme je viens de le dire. Donc de tout temps, les abeilles ont cohabité, et dans tous les cas, c'était des milieux dans lesquels les abeilles mellifères étaient très importantes, où il y avait les meilleures concentrations d'abeilles solitaires. Donc on ne peut pas réduire ça aussi rapidement que ce qu'on le fait ces jours-ci. Le geste, c'est de mettre le couteau comme ça, et tirer après, c'est peut-être pas le sujet, mais... Et on voit qu'elle est super souple comme ça. Et pour la garder en hiver, je me fais les... Et voilà, ça se garde. Et ça régit, ça devient pas rigide Oui, ça sèche, c'est rigide. Tu le gardes comme ça et le jour que tu veux travailler ta ruche, tu le mets dans l'eau pendant 2-3 heures. Au pire, dans l'eau chaude. Une ruche en paille. Ouais. Et la première question, c'est peut-être où est-ce qu'elle rentre. Déjà, où elle passe les abeilles, ouais. Voilà. On a le trou ici. Ok. Voilà, on a fait l'entrée. Après, ça peut être très différent. Hein. Ça peut être des petits trous. Ça peut être... Des fois, on fait une petite fente de 6 mm pour que les abeilles passent. C'est la taille d'une abeille. Mm-hmm. Et l'idée, c'est de faire un cadre
Là, c'est un cadre qui a une taille de 35 cm de côté, qui correspond à la ruche varée. Okay. L'idée, c'est éventuellement agrandir la ruche par en dessous avec un élément de varée. Et il existe des éléments avec une petite vitre, ça peut être très sympa de faire une petite observation, de savoir ce qu'ils font. Donc on a pris l'exemple sur une ruche traditionnelle en paille, donc paille de seigle et ronces. Et c'est un tressage, on appelle ça le tressage spiralé cousu. Donc okay. on a une âme en paille qui est cousue avec un quartier de ronces. Ici, on a laissé une ouverture, pas obligatoire, ça peut être fermé. Et quand c'est fermé, c'est une véritable ruche de biodiversité, comme on a expliqué tout à l'heure, de pas toucher du tout à l'essaim, aux abeilles, aux constructions, on visite pas, sauf par en dessous, mais on n'intervient pas. Et cette petite ouverture permet quand même de rajouter une petite hausse et de récolter éventuellement un peu de miel dans la hausse, mais pas du tout dans le corps de la ruche. C'est quelque chose de très résistant. La ronce okay. est vraiment solide. On a vu le petit... Voilà, une fois elle est grattée, elle est vraiment super solide. Et les anciens faisaient ça, la ruche avec la ronce. Et elle a fait ses preuves déjà dans le temps. Ok. Donc là, en gros, si on veut faire une ruche, il faut juste une entrée, un volume. Est-ce qu'on est obligé de respecter ces dimensions spéciales ou juste un trou et un volume libre dans un bout de bois, peu importe? Est-ce que ça pourrait faire une ruche? Ou est-ce qu'il faut quand même un minimum de volume. Okay. On dit qu'il faut vraiment, le minimum c'est 30 litres. Okay. Le mieux entre 30 et 40 litres, 35-40 c'est le mieux. Apparemment c'est le volume qu'ils ont besoin en ce moment. Dans le temps, c'était un peu plus. Mais pour une ruche de biodiversité qui a aussi le but de essaimer, on préfère de pas donner trop de volume. Comme ça, elles ont tendance à essaimer permettre d'avoir des essaims soit dans la nature, pour qu'il y ait plus de richesse dans la nature, soit les récupérer, les mettre dans une autre ruche. Donc une fois que vous avez fait la ruche, c'est pas encore gagné. C'est ça, il n'est pas fini. Donc si vous avez une comme ça, le mieux c'est de fixer un couvercle ou mettre un poids dessus, comme ça, et poser la ruche à l'abri. Déjà vu le matériau, elle ne peut pas rester telle qu'elle dehors. Souvent on met un purgé, donc un mélange de bouse de vache avec un peu de cendre pour faire... une croûte pour que c'est vraiment bien étanche, ça bouche les derniers petits trous, mais ça peut pas rester dehors. Donc ici ça serait parfait sous un toit, un auvent, dans une grange ouverte, etc. Ou un petit abri au jardin, quatre piquets, un toit. Et pas trop bas, parce qu'elles aiment pas du tout l'humidité. Donc le mieux c'est de même carrément en hauteur de 2 mètres, 3 mètres, c'est bien. Sinon, bon, on a vu que c'était ouvert ici, il faut quand même la poser sur une planche. Ça peut être un soubassement, même on peut l'acheter pour les varées. Donc on a un double fond avec une petite grille, donc on peut aller jusqu'à là, mais c'est pas obligatoire, ça peut être sur une planche en bois, ça marche très bien. Et pour les attirer, donc le mieux, c'est de mettre un peu de cire. De trouver ça chez son apiculteur, d'aller chercher un peu de quelques rayons. Soit on essaie de l'attacher le rayon, un petit bout de rayon, hein, juste pour donner l'odeur, un peu de sensation de déjà habité, quoi, un volume habité. Là, on voit aussi on a passé le chalumeau pour brûler les petits. Oui. Les petites brins de paille qui sortaient. Voilà. Et ça donne aussi quelque chose qui attire les abeilles, cette odeur de brûlé. Ça marche bien. Donc attaché par exemple ici à la structure, cette structure, c'est pas du tout un cadre ou des barrettes, c'est simplement une petite structure qui aide à tenir les cires une fois elles construisent comme elles ont envie. Okay.
parce qu'on peut très bien visiter la ruche en la soulevant, en la prenant dans les bras. Effectivement, on imagine que c'est fermé ici, comme ça. Voilà, elles sont vraiment dans le noir. Et on peut faire, comme on appelle ça, une petite visite, de regarder juste, sans rien sortir, quoi. Juste regarder entre les rayons s'il y a quelque chose qui indique un problème. Donc on fait notre volume de 30 litres en tressage comme on a pu. On a mis ça en hauteur 1,50 m, 2 m, disons, à l'abri de la pluie. On met un peu de cire à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a une période propice pour que les abeilles débarquent chez soi et viennent s'installer? Est-ce qu'il faut réfléchir à un endroit? Est-ce qu'il n'y a pas des endroits préférables? J'ai pas des corridors à essaimage ou des zones préférentielles? C'est sûr que les anciens, en général, les apiculteurs étaient au courant. Ils savaient très bien où poser leur ruche. Ça se fait de façon, on pose une ruche piège, on appelle ça comme ça, une petite ruche qui n'a pas forcément ce volume là, pour cueillir les seins. Après ça peut très bien déjà à la place finale chez soi, en espérant qu'elles viennent tout seules, parce qu'elles repèrent, les éclaireuses repèrent à un certain moment dans l'année, comme tu dis, on a besoin de, ça veut dire c'est au printemps, entre mars et juin, où il y a l'essaimage. En fait, c'est les ruches qui se divisent en deux. C'est la moitié de l'essaim qui part, qui cherche un nouveau habitat. Et cet essaim qui va partir, on voit des éclaireuses, les abeilles qui vont venir chercher ce genre de habitat dans la nature. Et si elles tombent dessus, elles vont juger si c'est bon ou pas. Et on a éventuellement la chance qu'elles viennent toutes seules. Okay. Donc entre mars et juin, c'est la période d'essaimage. Si on est un peu plus pressé, on demande un ami, un apiculteur, des gens qui ont l'habitude, qui chez eux finissent les coups de fil des gens qui appellent pour s'embêter par un essaim. Qui peuvent demander que la personne met les seins dans la ruche. Et là, on a eu des bons résultats, qu'elle reste et qu'elle s'installe pour du bon. Donc vous avez des retours d'expérience donc d'abeilles qui arrivent à se défendre contre le frelon asiatique, c'est ça? Ah oui, de plus en plus. Alors, plusieurs techniques de défense, effectivement, c'est soit les abeilles qui rentrent, par exemple, on l'observe dans les nids sauvages, d'abeilles mellifères sauvages, les abeilles qui rentrent très très vite dans le trou parce que le trou est gros. Elles sont beaucoup moins la proie des frelons asiatiques. Et elles sont aussi capables de se rassembler, soit sur la planche d'envol, soit autour du trou. Donc les ouvrières, qui sont les guerrières, hein, qui défendent le nid, et elles font front, elles se mettent toutes côte à côte, la tête dressée vers le frelon, et lui font face, et le frelon ne vient pas les embêter. C'est assez spectaculaire. Alors c'est vrai que c'est... Le frelon asiatique, c'est moins de 10 ans depuis qu'il est en France et qu'il nous pose des problèmes, mais on commence à avoir un comportement. C'est ce qui nous conforte dans cette idée qu'effectivement, si on laissait les abeilles s'adapter par elles-mêmes, elles trouveraient des parades à toutes les difficultés qu'elles rencontrent. Elles sont en train de s'adapter. De plus en plus de colonies développent des comportements défensifs face aux attaques des frelons asiatiques. Et les colonies qui sont menacées par les frelons asiatiques, ce sont les colonies faibles, et en particulier les colonies qui sont surexploitées. Il n'y a pas de secret, malheureusement. Avec les essaims naturels qui vivent à l'état sauvage, d'abeilles mellifères, ceux qui résistent le mieux aux hivers sont ceux qui sont bien isolés. Pourquoi ? Parce que les abeilles ne vont pas sortir trop vite quand il y a un petit rayon de soleil. Donc ça veut dire qu'elles ne vont pas épuiser rapidement leurs réserves. Et elles vont consommer moins de miel aussi, donc elles vont ménager aussi leurs réserves, ne serait-ce que pour maintenir la bonne température de leur habitation. Donc là, par exemple, la vanderie qui est en train de faire Christina, c'est une vanderie qui va, c'est un toit pour une colonie d'abeilles qui s'est installée chez nous dans un cap tessin qui fait 3 cm de diamètre, les rayons des boudins de paille au lieu de 5. Donc là, on va mettre une petite protection dessus. L'année dernière, je l'avais couverte avec des couvertures, ce qui était moche comme tout. Cette année, on va lui faire un petit surtout en paille. Okay. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est un petit plus pour aider les abeilles à passer l'hiver correctement et à redémarrer en pleine forme au printemps suivant.
Et un truc auquel je pense aussi, c'est qu'on voit souvent des ruches, mais quand on les voit, elles sont souvent en plein soleil, en plein champ, en plein soleil. D'ailleurs, tu parlais d'isolation, je me dis que c'est un animal peut-être de forêt, quoi, non ? Oui, l'abeille est forestière au départ, hein. On l'a complètement oubliée. Nous, on la met en plein soleil mais pour qu'elle produise plus vite. C'est ça, pour qu'elle ait chaud rapidement et qu'elle sorte. Voilà, voilà. On a fait une observation assez géniale il y a début octobre sur un essaim installé sur une falaise dans le midi de la France. Et c'était en pleine période de floraison du lierre, donc normalement les abeilles sont très actives, elles finissent de rentrer toutes les réserves, si elles n'ont pas rempli leurs réserves, elles les finissent à cette époque-là. Et cet essaim qui était en plein air était d'une indolence tout à fait incroyable, il faisait beau, et au lieu d'aller bosser, ramasser du lierre et tout, on voyait très bien qu'elles avaient rempli leurs réserves, et quelques abeilles sortaient bien évidemment, mais très peu par rapport aux colonies enrichées qui étaient à proximité. Mmh. Donc on voit qu'elles sont capables d'adapter en fonction de leurs besoins et de ce qu'elles ont déjà amassé ou pas. Elles vont plus ou moins travailler, mais moins elles peuvent en faire et mieux elles se portent. Ça, c'est une règle de la nature. Maintenant, pas loin de 7, 8 ans, 10 ans maintenant qu'on travaille sur cette problématique d'aider les abeilles et de faire en sorte qu'elles retrouvent leur capacité à s'autodéfendre, et on se rend compte que partout autour du monde, des gens réfléchissent à cette même problématique que nous et trouvent des solutions qui vont tout à fait dans le même sens et qui corroborent un petit peu toutes les expériences que l'on fait en France. D'où cette idée d'aller voir ailleurs et de faire un film qui recenserait toutes ces initiatives et qui ferait le bilan un petit peu de toute la problématique des abeilles aujourd'hui, avec l'envie d'apporter des solutions nouvelles. Parce qu'on voit très bien que les solutions qui sont apportées par les producteurs de miel ne sont pas forcément les bonnes, puisqu'elles sont apportées avec un filtre qui est celui de la production, donc la nécessité de faire travailler les abeilles. Et on pense de plus en plus que les abeilles sont capables de se débrouiller par elles-mêmes, et si elles se débrouillent par elles-mêmes, elles sont bien plus résistantes. On a des tonnes d'exemples, et le film va faire effectivement un petit peu ce tour du monde des bonnes initiatives des abeilles. Ça s'appelle « Être avec les abeilles ». Et il est financé ce film, ou il manque un petit quelque chose pour... Non, il nous manque encore, parce qu'on est ambitieux, on a envie de faire un beau film. et puis on a envie de faire une version anglaise, une version espagnole, on a envie qu'il soit doublé, non pas sous-titré. On a envie d'accumuler encore des images. Donc effectivement, il nous manque encore une partie du budget. On a fait un deuxième financement participatif pour finir de boucler notre budget pour aller au bout de ce film, okay, dont la sortie est prévue pour la fin d'année 2020. Okay. Bon, mais je mettrai le lien du coup dans le descriptif de la vidéo. Mmh.